Et c'est parti mon kiki, Train Sim 3, on continue, on avait fait les trois autres scénarios, maintenant on va faire fin de service. Terminer le dernier service de l'Iceban pour aujourd'hui et retourner au dépôt. Voilà, Schwalm. On va faire ça. Avec une 422, je crois. Ouh! Fin de service, on est content, on va pouvoir rentrer à la maison, on a fini la journée. Ah, il fait noir bien sûr, ça c'est horreur. Bienvenue à Schwalm, terminez le trajet jusqu'à la Wipperfall puis finissez votre service. En retournant au dépôt de Wippertal. Asseyez-vous sur le siège. Enfin, je sais pas s'il y a quelque chose ici à faire ou pas. Final. Donc je suis là. Il y a des gens lumineux. Les gens sont lumineux avec les spots. Spotlight. On va s'asseoir sur le siège conducteur. Et pronto prego, per favore, signore. Aben Silverstein, Herr Müller, Muscatus. Ah, je suis fatigué, toute la journée était longue. Plein de trains. Asseyez-vous au siège. Insérez la clé de l'inverseur, bien sûr. Inverseur sur neutre. Ah merde! Attendez. On dit neutre. Déverrouiller les portes. Ok. Où elle a dit neutre? Ah, c'est bon. C'est bizarre, hein? Où elle a dit sur neutre? On a combien de voitures? 8 encore. Ouais. Voilà une neutre. Faut mettre sur avancer, non? Je vais pas avancer comme ça, moi. Il n'y a même pas de frein. Ils sont trompés le scénario, c'est pas possible. Faut mettre ça. Ah, maintenant il dit mettre sur marche avant. Pourquoi il fallait le mettre? J'ai pas compris. Au-dessus de 10%. On va atteindre 8 km heure. Pourquoi? Arrêtez, non, j'ai pas compris pourquoi il me fait ça, mais bon. C'est con, non? Je peux rouler à 80 à peu près. Ah, il démarre bien. Hein. Le scénario est un peu bizarre au début là. Pas compris pourquoi il a fait ça, mais bon. 5 minutes. Commence à ralentir. On vient trop vite là les gars. Serre les fesses mec. 4 crans au moins. On pas assez fort. Ah ouais ça descend. Compris maintenant. Voilà, c'est bon. On est bon tonton. Welm West. Rien vu de spécial, ok. Là, il y a une boîte, mais je crois qu'elle est déjà faite. Je vais aller vérifier, mais il y a une boîte à trousse de secours dans la cabine. Je sais pas si on l'a activée ou pas. J'ai pas eu le temps de voir. Elle est bien cachée. On l'a sûrement déjà faite. On va aller s'en assurer. Arrête. Allez, go. Ah, c'est loin. Hein. L'embarquement passager est rapide ici. Pourquoi il me fait ça quoi? Il y a une trousse de secours dans la cabine ici. Pas derrière le mur. Ah, il y a fait. Je peux pas courir plus vite. Ah, j'ai pas d'arme de poche. Ouais, une lampe de poche sur moi. Ah si, regardez une lampe de poche. Ah, c'est con ça.
Mais là, elle allume pas bien, mais j'en ai une. Non, c'est pas con, c'est génial, quoi, je voulais dire. Parti pour Langerfeld. Ok, go. Au moins, on n'a pas de tempête, mais il fait noir. Parce que il arrive vite au 120 quand même. De ouf quand même. Ah ça descend en plus. En plus le quai suivant est déjà tout proche. Oh Prince Robert, salut mec. J'ai eu foutre 4 crans dans la purée là. Là on arrive vraiment trop vite. 6 crans. 6 crans pour être sûr. Oh, on est encore à 90 à 600 mètres, tu rigoles. Fun, 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 fun. Accroche. Il fallait bien les 6 crans. Hein. Et là, c'est bon. 40 débuts de pied, on est bien. Oui, Purtal Langerfeld. Qui est désertique, hein. Il n'y a que les sièges ici. Alors, il lui fait Wipper Langerfeld. J'ai encore à faire. Oh oui, encore du truc, Oberbarmen. Ah oui, il y a 3, 4. Y a encore 4. Ah, il y a Robert qui se dépêche là. Je pop, allez hop. Et encore 4 arrêts avant d'aller garer. Ça va aller. On a encore de l'essence. Encore du café dans le thermos. Trop tard, monsieur, escalier, c'est fini là. Bye bye. Next one, André prochain. Plus c'était le dernier train du soir. Il est 22h50, c'est mort. Ça devrait attendre demain. Sous le banc. Wuppertal-Oberbarmen. On est toujours à 120. Il y aura un 50 dans un kilomètre. Ben, ça sera avant le quai. Il y aura un petit 50 avant le quai. Ah ouais, Oberbarmen, 50 à l'heure, d'accord. On va monter à 80 peut-être et puis on se laisse aller. C'est sur du plat. Voilà. Dans 800 mètres, il y a le 50. Ah mais purée, ça descend. Attends, 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 on fait pas le con là. Non, on craque. Casse la vitesse là. Parce qu'on va se faire avoir. J'avais pas vu que ça descendait à fond la caisse. Ah ouais, c'est la grosse gare ici. Donc, passe notre ami Robert. Salut. On est sur du plat maintenant, ça va. Même si on met le clé. Un petit cran pour le plaisir. J'aime bien la reprise à 100 à l'heure, t'arrives à quai quoi. Incitation à la débauche, votre compte est bon. Nous arrivons à Wuppertal-Oberbarmen, mesdames et messieurs, vous pouvez descendre si c'est votre destination. Nous allons nous arrêter dans quelques secondes.
Rien vu au pied de ce qu'on pouvait faire. Et voilà, destination finale terminée. Enfin, c'est pas final, mais. Wuppertal Oberbarmen. Et voilà. Faites-vous plaisir. Ah ouais, monsieur, il est content. Hein. Celui qu'on a pris au quai précédemment. Dans les escaliers de chez Kilo. Ah, il y en a qui montent encore dans le train. De gauche. Verrouillage. On est go. Alors, attention, il n'y avait pas un 50. Ah non, c'est fini. On a eu la reprise à 100 avant le quai. On est bon alors. Ligne à 100 et presque 2 km pour Wuppertal Barman. On chez les barman. Allez, vas-y, mon gars. Prends la caisse. Prends les manettes. On se lance, on laisse aller. On monte à 120, c'est bon. Oh, il y a un 90, je pense que c'est plus loin. Oh, ça se couait, mais pourtant, je suis à la bonne vitesse, hein. On va signaler à la gare, il y a une petite bosse dans les rails là. Regarde ici aussi. Ah ouais, ça se coud, hein. Pas normal, tu savais que ça se coud comme ça. Pas normal. Ah, Michel, ah, mère Michel. On va casser bien la vitesse là parce que là on arrive beaucoup trop vite. Plus en descente. Ah, c'est déjà mieux. C'est bien, c'est bien. Wuppertal Barmen. On aura fait plein de fois, hein, Uperman et Barmen et tout ça. Barmen au beurre, Barmen, Uper Barmen, Barmen gauche, Barmen droite. Robert là-bas. Dans l'autre sens. Mais. Nous arrivons à Barmen, Wuppertal. J'ai rien repéré sur le quai. De toute façon, on a déjà tout fait ici. Ça sert à rien. On a tout mis, on a tout mis. Et voilà ce qu'il nous reste. Unterbarmen, Wuppertal, voilà. Oh là là, toutes les manœuvres qu'il nous reste à faire, ça va être compliqué, ça. Bon, on suivra ce qu'il nous dit de faire, mais. Oh là là! On va devoir chipoter après, les amis, ça va pas être partie de plaisir. Ah, j'attrape faim, mon petit 4 heures, j'ai faim. Quand on roule, ça me donne faim. L'habitude de grignoter hein, quand je faisais les trains. Allez, on est go. On peut y aller 100 à l'heure. Hein. Fonce. Deutschland by night. Docteur Barman, on a intérêt à freiner parce que sinon on dira au revoir. Hein. Bon, ça freine bien, c'est du plat.
Ok. Ibopaloula. Nous arrivons à Wuppertal Unterbarmen. Et sous barman. Barman sous. C'est marrant ça. Et tous ceux qui on les a fouillés donc hein. Bon, ce qui reste des trucs. Ah, j'ai trop freiné même. Bien ceux qui ont des vêtements fluo là, sur les quais, c'est sympa. Il travaille à la gare. Démarquement immédiat. Un petit peu d'eau. Ah, je vais faire un petit sandwich avec des œufs, tiens, c'est top. Ah, j'ai envie de ça. Terminer le scénario quand même, hein. On verrouille à gauche. On est reparti. Alors on peut rouler à 100, non à 90 à l'heure. Ok. Il y a un ralentissement à 90. Nous allons pour Wuppertal qui a 1,5 km de distance. C'est pas loin. On va juste se lancer à 80, on laisse aller. On est sur du plat. Ah, ça descend maintenant. Voilà, on lance bien. Ça redevient plat. On est à presque à 80. Allez, on laisse aller. Le quai est déjà à 1,3 km. Ah, il y a un jaune en plus. Oula, il y a un 60 à l'heure. Pourri, il y a un 60 à l'heure. Ouais, saloperie. Faire arnaquer encore. Maintenant, je l'ai vu à temps. Hein. C'est vrai. C'est un confirmant dans les rails. Ok, on est bon. Voilà, on est bon. On peut se laisser aller. La minute vers les services. Après, on va les garer la rame. C'est bien. Oh là là, on va être content de rentrer à la maison. Il est rouge en plus au bout de quai. C'est terminus peut-être ici alors. Attendez, c'est sûrement le terminus. J'ai pas fait attention. Ah ouais, on débarque et puis on manipule. Ok. C'est le terminus. Il y a un 50 maintenant. Heureusement, j'étais déjà prêt. J'avais prévu le coup. Ah, j'ai la langue qui picote, mais je suis pas habitué de parler tant, moi. J'ai la langue qui picote avant que j'ai parlé. Je suis un taiseux, moi, d'habitude. Ah, c'est pour vous, les amis, pour vous, je commente les émotions au fur et à mesure du jeu, de l'aventure. Mais c'est très relaxant, hein. C'est chouette, ce jeu, il est bien. Il est bien fait, c'est agréable. En plus, comme j'ai de la tendinite, il demande pas trop de cliquer. C'est beaucoup avec le clavier, je chipote. Donc c'est parfait quoi. Sinon mon poignet droit est tendinite à 100 000%. C'est de la kiné, hein, tous les 2 jours de la kiné. Mais ça fait depuis le mois d'avril donc. Et là on est au mois de septembre. Donc ça vous dit le truc. Hein. Tant que je souffre. Il faut que je sois en prête pour Starfield. Commence demain. Là on est bon. Je montre ce qui est ici, si j'irai pas voir quand même. Ah ouais, ça sert à rien ici. Hein. Passerelle. C'est pour manœuvrer. Là, on a déjà tout fait. Hein. Non, on a déjà tout fait. Ça sert à rien. On va rester là. On va obéir aux ordres du scénario. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai touché. Merde. C'était pas ça. Je redéverrouille, les amis. J'ai touché malencontreusement une touche. Bitte achten Sie auf die Markierung.
Dis attention, tu dois pas fermer tes portes, hein. Embarquement des passagers, en plus c'est long. Ah, y'a un mec au fluo qui revient. Alors, qui dit quoi le scénario? Désactiver le manipulateur combiné, l'inverseur. Retirer la clé principale, siège arrière, affoile de l'autre côté. Inverseur, avant, traction, wiper fold dépôt, activer, levier, 5 secondes. Ah, on arrête carrément la machine et tout là. Ça va être cool ça. On n'a jamais fait. Fin de service. Je vais mettre un peu plus de frein. Hein. Par contre, l'embarquement des passagers dure long. Non, c'est plutôt débarquement. Ah ouais, c'est tant que le chef de bord, s'il y en a un, s'il y a un gros Marcel qui fait le chef de bord dans le train, qui visite et qui vérifie que le train est bien vide avant qu'on aille garer au dépôt. Ou que qu'il y ait personne qui. Ça arrive, hein, que des fois même, il y a des gens qui sont embarqués au dépôt. On arrive au garer au dépôt, il y a des voyageurs qui sont endormis, cachés dans le train ou quoi. On a déjà eu toutes sortes de trucs. On a eu plein de scénarios, un truc de dingue, quoi. On a toujours été sympa avec les gens qu'on a trouvés, on s'est toujours débrouillé pour les aider, pour qu'ils retournent où ce qu'ils devaient aller, quoi. C'est marrant. Verrouillage des portes, voilà. Et voilà. Désactiver le manipulateur et retirer la clé principale. Désactiver. Je peux pas lâcher mes freins comme si. Dis ou désactiver, non. Je vais laisser du frein, moi. Désactiver et l'inverseur. Mettre au neutre, peut-être. Pas le désactiver. Comment je désactive ça? Mettre sur 0. Sortant. Voilà, sortant. Bon travail. Changer de cabine. Causer ce train vide au dépôt. Je mets pas les rouges, on s'en tape. Changer de cabine. Merde, je peux pas fermer la porte. Attendez, on va faire autrement. Il y a des gens! Ah, c'est peut-être un du dépôt, ça c'est un. C'est peut-être un qui travaille, hein, sinon. Non, le chef de bord, il a dû vérifier qu'il n'y avait plus personne dedans. Hein. C'est peut-être un mec du dépôt de train, c'est un mec du chemin de fer. Pourquoi ça fait bip bip? Pas mon train. Asseyez-vous sur le siège arrière. Ben, voilà. Il y a quoi les rouges là? Ouais. Asseyez-vous. Insérer la clé d'inverseur. Pardon. Non. Attendez les phares. Non, pas chauffage. Ouais, de chauffage. Attention. On a vert, ouais. Au moins 8 km. Il y a un 4, hein, c'est 40 là. Ah ouais, c'est 50. S'arrêter à 8 portes. Ah, c'est loin le dépôt. Il y a 7 km à faire pour retourner au dépôt là. Ah ouais, on n'est pas rentré là. On doit rester à 50 à l'heure. Je crois qu'il y avait un dépôt ici tout près. Putain, il y a un 40 maintenant. C'est quoi ce truc? Je l'ai pas vu le 40, il n'y a pas eu d'annonce. J'ai pas eu le 40. Hein. Oh, des saloperies. Oh, maintenant c'est 60. Mais t'as vu le truc? Il me rend zinzin avec les vitesses, ça c'est pas possible. C'est quoi ce truc là? J'ai pas vu les 60. Maintenant c'est 100, c'est 100. Mais c'est quoi ces vitesses? On n'a aucun signal qui nous dit ça. Je regrette, hein, j'ai rien vu moi. Bon, je peux rouler à 100.
Non, même le 130. En 130. Allez, go alors. Il y a un 40 à l'heure, mais dans 3 km. En fait, il y aura un 40 à l'heure. Attention, attention. À l'heure, 2,5 km. Je vous remplace, c'est bien. On recommence à casser la vitesse. De 40 à l'heure, c'est quand même pas beaucoup. Plus que ça monte. Voilà. Pour nos PC, c'est mieux. Wuppertal Langerfeld Depot. Okay. On repart sur du plat. Bah ça va, c'est pas trop mal débrouillé, hein. C'est pas trop compliqué quand même. Ils ont mis difficulté 3 points, je trouve pas que c'était si dur. Sincèrement, peut-être encore des petites merdouilles maintenant. On arrive aux 40 à l'heure, 250 mètres. Et encore 1,8 km 8 pour aller à Wuppertal dépôt. On va prendre des aiguilles, hein, c'est ça. On prend des aiguilles pour aller au dépôt. Aiguille de garage. Ah, le L, ouais, c'est sûrement pour dire qu'on va au dépôt. Ça va tourner. Voilà. 40. Et une reprise à 100 watts direct. Tu rigoles, je vais au dépôt, moi. Ah, 60, c'est mieux. On change tout le temps plusieurs fois de voix, hein, c'est pour ça. Je m'attends encore à une nouvelle réduction. Ah non, 60. Le train n'est pas encore tout passé là. Il y a encore une aiguille? Non, ça va. Pas de 60, hein. On est toujours à 40. C'est logique, hein, pour aller garer un dépôt. Ça me semble tout à fait logique, ça. Regarde toutes les aiguilles ici. Les aiguilles coin-coin. Ouais, ça monte à 2,9. Ah ouais, le dépôt, il est en hauteur. On fait gaffe, hein. Ça monte bien, 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 bien. On est sur du vert. Ah, oh, c'est feu de manœuvre.
Votre garage. Il nous met vert, mais c'est le, les deux petits feux blancs sont ouverts. C'est le feu de manœuvre. Pour pas compliquer le jeu, ils ont laissé ça comme si c'était un feu vert. Attends, 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 c'est quoi là? Une manger un sandwich avec des œufs brouillés dedans de un petit 4 heures. Genre non des œufs comme sur le plat mais un peu brouillés. Un petit peu brouillé à la fin. Ouais. 300 mètres. On va pas aller trop vite parce que je sais pas exactement. Ah, on va sur des voies de garage. Dans le faisceau de Witherspoon Langerfeld. Faut qu'on se bien débrouiller quand même. Hein. On va mettre à plat, on va tout couper, les phares, tout. Le frein parking, tout ça. C'est la totale. On note au livre de bord si on a des ennuis. La cabine du signaleur est juste à côté là, à gauche, au-dessus, la petite tour là. En bas, c'est les dépanneurs, les gens du rail, les nettoyeurs, peut-être. Ah, c'est le bureau des nettoyeurs. On vient nettoyer la rame pendant la nuit, pas prête pour le matin. Mon gentil passager. Objectif atteint, désactiver le manipulateur combiné, l'inverseur retiré. 0 100. Voilà. Maintenir le levier de la batterie arrêt pendant 5 secondes. Ah, je suis où là? Putain, je suis sorti du jeu. Je suis sorti du truc. Batterie. C'est arrêt. C'est bon? Beau travail, vous avez mérité une bonne nuit de sommeil. J'ai surtout allé manger un bon sandwich parce que j'ai surtout faim. Il est 4h30. C'est bien, on a bien joué, c'est cool. On a bien mérité une bonne nuit de sommeil. Ah, il faut descendre la locomotive. J'ai pas pensé, tiens. Par son temps, bah oui, on a coupé la batterie. Et voilà, on va au bureau. C'est trop bien. C'est bien débrouillé quand même, on a bien joué. Un petit embouteillage là, ou une médaille d'argent, je m'en doutais. On n'a pas été parfait, hein, mais on s'est bien débrouillé. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Ciao, ciao. On a fini tous les scénarios hein, pour la 422. Ouais, on a fini tous les scénarios.